Bon, on est reparti. Salut YouTube, est-ce que toi aussi tu t'es déjà évadé de Sébastopol? Laisse-moi un commentaire. On en est où? Qu'est-ce qu'on doit faire? Accéder au vol spatial via le quartier des habitations. Là, ici le Torrens. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique du cordon. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en position. On n'attend plus que tu déploies les pinces de remorquage. Ok. Je me demande encore comment j'ai pu te laisser m'entraîner là-dedans. Le teasing de fou, mais oui, c'est un teasing incroyable! Ça veut ma 20 ans de l'espionnage! C'est un son tout à fait normal d'ascenseur! Oh, ça tombe bien, ça. L'ascenseur s'est bloqué juste à côté de la pointe de sauvegarde! Quelle heureuse coïncidence! Bon, on est reparti. Ramper comme une merde. Échec des stabilisateurs en fuite. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Il y a un androïde en flamme qui arrive et qui est pas content. Des piles, un fumigène. Un mélange B. Un pistolet seringue. Ouais, très bien. Très bien, très bien, très bien. J'ai bien envie de le shooter au fusil à pompe, mais je suis à peu près sûr que notre copain va sortir si c'est le cas. Je reste frais. Voilà, il a peu apprécié l'usage du cocktail Molotov dans sa face. J'ai vu qu'on avait retrouvé du carburant. J'ai besoin d'un medikit rapidement. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Je ne peux pas passer là. Ah putain, d'accord, faut activer ce truc. Carte d'accès requise, très bien. J'ai pas de mot de passe. Le bird il est là-bas, tout du coup. Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Donc vous ne devriez pas encore deviner, ceci n'est pas un exercice. C'est pas dur à retenir.
l'impression d'être dans Scooby-Doo. Est-ce que c'est le même mot de passe pour... Ah bah j'ai trouvé une carte magnétique, non machin, j'avais même fait gaffe. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Quel vacarme. Je vais par là, je suis un bon petit soldat. Hop. Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Encore les bips de points de sauvegarde. Allez, 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 allez. On peut le faire. Et après on aura enfin terminé ce jeu maudit. Je te laisserai plus me suggérer des jeux d'horreur. C'est fini ça. La prochaine fois on fait un Harvest Moon ou un Stardew Valley. On va se méfier parce qu'on sait que ça a tendance à attirer papa. Ok, bah très bien, moi je suis d'accord, mais... Il n'y a pas une question pour se cacher dans le coin. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. J'ai plus de munitions. On doit aller jusqu'où? Par là, très bien, je sais pas du tout par où aller.
La prudence. La prudence. Bon bah la prudence mais pas trop, pas assez. Donc on en dit où? Oui. Bon, j'avoue que c'est, je suis impatient que ça soit fini. C'est un bon jeu, mais ça commence à traîner un petit peu en longueur, je trouve. Et je dis pas ça parce que j'ai le truc à mettre à zéro, évidemment. C'est pas le genre de la maison. Mais il était immunisé au feu, lui, ou quoi? On va le chercher lui. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique. Ok, donc c'est obligatoire qu'il soit là en fait. Ok. Je dois aller jusqu'où comme ça? Jusque loin en fait. J'ai pas du tout envie d'aller jusque loin, moi. J'ai envie de rester tranquillement là, caché. C'est juste une boîte. Allez. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais accéder à mon inventaire.
J'ai failli mourir de façon extrêmement ridicule. Après l'évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur orbital d'urgence. Ouais, parce que Bayout, il peut passer dans la salle de détente. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure. On le voit passer dans le fond là-bas. Même la musique est bien flippante. Hein. On a plus de vie. Ça ne servait à rien. Putain. Là en fait ça commence à être de la frustration. J'avoue que ça commence un peu à me gaver. J'ai recommencé plusieurs fois le genre, même passage, c'est pas forcément le truc qui me fait le plus kiffer. Ouais, mais franchement, au bout d'un moment, c'est un peu chiant de devoir recommencer tout seul le même passage, quoi. Alors, je comprends que, bon, le stress, tout ça, mais bon... Là, c'est chiant, quoi. Situation respective, et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Ok. C'est ma gueule, toi. Évacuez la station. Salle de repos. Ceci n'est pas un exercice.
Oh non, sérieusement! Je suis fatigué, Frodon. Gandalf, pardon. Comme une tartine trop longue sur laquelle on aurait étalé trop peu de beurre. Non, fallait pas du tout faire ça. C'est bien moi qui fais tout le tour. Voilà, la totale. J'en ai plein les gonfles. J'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte que ça se termine. Tiens, fait facile de pas m'avoir vu. Après l'évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre ne soit donné par le coordinateur orbital d'urgence. Bon, bah, adios. Est-ce qu'on va rage quitte juste avant la fin? La question se pose.
Bah, j'annonce la dernière tentative. Après, je mets fin à ce live et la fin sera pour lundi prochain. Ou pour le moment où j'aurai la patience de le faire. Ah non, ça me saoule. Recommencer 12 fois la même chose, c'est vraiment le genre de truc qui me gave. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Surtout que j'ai pas trop un style de jeu qui me plaît à la base, donc c'est pas des sensations que je recherche dans un jeu vidéo, tu vois. Donc autant tenter 15 fois un combat de RPG, ça me dérange pas, tant pis. Que retenter 50 fois le même passage d'horreur, c'est. Ça me gave en fait. Ça me gonfle. Après là on a multiplié un petit peu les sauvegardes donc ça va encore mais... J'ai menti. Je vais pas me faire chier. Bon après l'avantage c'est qu'on peut admirer sur toutes ses coutures et c'est vrai qu'il est quand même beau. C'est un beau bestiau ça madame. Ouais la musique est vraiment bonne. Ça fout bien l'ambiance et tout.
C'était pas ça que je cherchais comme passage, merde. Terrible. Oh, il y a des bonnes musiques d'action, il y a des bonnes musiques de suspense et tout. Bonjour le chat, comment ça va? Jerrycan vient me soutenir aussi. Quoi, j'en ai... Putain, mais... Il me semblait avoir sauvegardé après le générateur. En fait, ça fait que j'ai raté le billard, je suis con quand même allé. Voilà. La petite chirurgie. C'est quoi, Jerrycan? Dis bonjour aux gens. Bonjour, l'alien. C'est Jonesy. J'aurais pu l'appeler comme ça d'ailleurs. Mais j'y ai pas pensé. Donc je t'appelle pas John Z. C'était une bien belle histoire. Il m'a repéré. Je peux pas passer l'animation de la mort en plus, parce que bon, au bout d'un moment, c'est bien, mais je l'ai vu un certain nombre de fois déjà. Je vais pas dire que je commence à la connaître, mais quand même. Oui, mais c'est bien. Je peux tenter de lui mettre un coup de clé à molette dans le dos.
Quand tu veux, je vais. Pas un exercice. Bon, il y a des moments où il n'y a quand même pas ultra fut-fut. Hein. Bon allez, dépêche-toi, j'ai soif et je dois pisser. Oh mais non. Mais merde putain. Bon j'en ai plein le cul, je me casse. Bon Twitch c'était Alien Isolation, la fin ce sera pour la prochaine fois, des bisous. YouTube salut. Au revoir. C'était bien. Mais c'était chiant à la fin. Bisous.